Les armes russes au service des forces syriennes en action, vidéo, diverses armes russes, dont des systèmes de missiles, des avions et des chars, aident les forces terrestres et aériennes syriennes à combattre le terrorisme. En voici quelques-unes dans le détail. Alors que la Syrie s'apprête à recevoir des systèmes de missiles S-300, dont la livraison longtemps reportée est programmée pour les prochaines semaines à en croire la défense russe, l'heure semble opportune pour passer en revue les autres armes russes déjà en service auprès de l'armée syrienne. T-90A. Les chars T-90A ont été pour la première fois repérés en Syrie en 2015, sur la base aérienne de Maïmim. Bien adapté au climat désertique, le T-90A possède une tourelle soudée, un viseur thermique intégré au système de pointage, un stabilisateur de canon et un système de chargement amélioré. Son système de commande de tir lui permet d'attaquer des cibles en mouvement à tout moment. Sur une vidéo mise en ligne en février 2016 par un groupe d'opposition syrienne, un char T-90 résiste à une frappe de missile anti-char de fabrication américaine TOW-2 après d'Alep. Bastion P. Le système de missile de défense côtière K300P Bastion P, code OTAN SSC-5, conçu pour la destruction de divers bâtiments de surface ainsi que de navires isolés dans un contexte de feu ennemi et de contre-mesures électroniques, a subi ses premiers tests de combat en Syrie, comme on le voit bien dans cette vidéo publiée par le ministère russe de la Défense. À l'heure actuelle, l'armée syrienne dispose de deux systèmes Bastion P, livrés en 2010 à 2011 avec 72 missiles anti-navires supersoniques P-800 Onyx code OTAN SSN-26 Strobil, d'une portée maximale de 300 km et capable de couvrir une zone de protection de 600 km à la ronde. Doté de radars de détection et de suivi des cibles, cet engin peut atteindre la vitesse de 100 km/h et mener des tirs de précision en mouvement. Il est armé de deux canons bitube de 30 mm capables de tirer 5000 projectiles par minute, et de 12 missiles d'une portée de 20 km. Vidéo de la télévision syrienne, implantée sur la base de Maïmim, des Pantsirès ont détruit de nombreux drones volant en direction de cet aérodrome militaire situé dans la province de Latakié. Vidéo filmée par des militaires présents sur les lieux, boucle. La Syrie possède en outre, selon certaines estimations, une vingtaine de systèmes de missiles polyvalents russes Bukem 1-2 et une dizaine de Bukem 2, visibles sur cette vidéo diffusée à la télévision locale. Selon la défense russe, lors de l'attaque de la coalition occidentale dans la nuit du 13 au 14 avril dernier, les troupes syriennes ont eu recours notamment au système Buk, ce qui leur a permis d'intercepter plus de 70 des 103 missiles lancés par les États-Unis et leurs alliés. MiG-29. Les forces aériennes de la République syrienne comptent dans leur rang 30 avions de chasse de suprématie aérienne MiG-29, code OTAN, Fulcrum. Développé au début des années 1970 en Union soviétique et livré à la Syrie depuis 1987, ces appareils restent parmi les avions de combat les plus utilisés dans le monde. Très agile, l'appareil est capable d'atteindre une vitesse de 2445 km/h. Dans cette vidéo, on peut voir un MiG-29 syrien passer à une altitude extrêmement basse au-dessus d'une base militaire, en signe de salutation aux militaires.